Allez, salut à toutes et à tous les amis. Donc là, aujourd'hui, je suis sur la commune de La Force, pas très loin de Bergerac. Donc là, comme vous pouvez le constater, donc là, on a une souche. Et la cliente m'a appelé, qu'elle était très inquiète parce qu'elle voyait beaucoup de grosses bébêtes noires et jaunes. Donc bon, j'ai dit peut-être, qui dit souche, dit du frelon européen, parce que souvent le frelon européen, il adore se mettre dans les souches. Mais je vais vous faire un zoom. Je vais vous faire un zoom s'il y a un insecte qui arrive à se poser, vous puissiez le voir. Alors, je vais essayer de m'approcher sans trop faire de bruit. Est-ce qu'il y en a qui peut se poser? Là, il y en a qui s'est posé, regardez. Hop, vous voyez celui-là là? Voilà. Deux bandes jaunes. Donc en fait, ça s'appelle le scolie à front jaune. Donc le scolie à front jaune n'est pas un insecte piquant. Sa période de reproduction dure environ un mois. Donc ça commence déjà vers fin mai jusqu'à fin juin. Donc si vous voyez ce type d'insecte, et je vous mettrai une photo à l'appui, si vous voyez ce type d'insecte-là, ça ne sert à rien de m'appeler car ce n'est pas un nuisible. Donc il n'y a aucun traitement à faire dessus. Donc vous voyez là, ça peut être surprenant ce que la cliente connaissait pas du tout, mais voilà, ça tourne autour des souches et ça c'est un grand classique quoi. Voilà. Donc mais ça ne pique pas, c'est assez gros mais ça pique pas. Et là on est en pleine période de reproduction, donc c'est pour ça que du coup là je vais faire aucun traitement parce que voilà, c'est pas un insecte piquant et nuisible. Voilà, on peut les voir hein, ici ce. Hop, il y en a pas mal qui tournent. Et vous voyez, je suis en t-shirt et aucune piqûre. Voilà, donc soyez prudents. Si vous voyez ça dans votre jardin, ben, aucun souci. Ça va durer un mois. Et après, ils s'en vont une fois qu'ils ont fini de se reproduire. Allez, à très bientôt.